les filles, ça vous dirait d'aller tâter de la couille de taureau et de la mamelle de meumeux au salon d'agriculture? Ah oui, carrément. Je trouve ça très bien de montrer aux petits parigots les animaux de la ferme. Bah aujourd'hui un gamin, il pense que les nuggets ça pousse sur un arbre à nuggets, hein. Et les bites ça pousse sur un arbre à bites. Un bitier? Oh, ce serait bien ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis biticulteur. Nos biticulteurs ont du talent. Moi j'aime bien les concours de taureaux. Il y en a contre ces baloches. Oh! Au moins 5 kilos par pièce. L'équivalent d'un enfant de 3 mois. T'as deux nourrissons dans le slip. Ah oui, c'est vrai, les taureaux ça met pas de slip. Ah, je me demande combien de litres ça peut envoyer. C'est plus la vache qui rit, c'est la vache qui jouit. Oh! Et les politiques qui défilent pour montrer qu'ils sont proches de la ruralité. Elles doivent en avoir marre les vaches qu'on leur tirlipote le d'argent toute la journée sans leur demander leur avis. Et le consentement alors? On va lancer le hashtag MeToo des vaches. Le hashtag MeToo. Il paraît que les prostituées se font plein d'argent pendant le salon d'agriculture. Le bâton de berger, il n'y a pas d'heure pour manger. Il y a beaucoup de mecs seuls. Hein. Paraît qu'il y en a qui se branlent dans leurs treilleuses à vaches. Quelle horreur! Berk! Moi, une fois, je me suis tapé un agriculteur. Non! Ouais, bon, voilà. J'avais regardé labourer dans le pré, ça m'avait excité la glande rurale, j'avais comme une envie de rustique. Oh là là, Lyon, il m'a retourné, j'étais floppy de la motte. Il m'a renversé dans la mangeoire de la noiroude. Et quand il a joué, il a largué une caisse d'anthologie. L'émotion, sans doute, c'était mignon. Mais comme quoi, l'amour est dans le pré, certes, mais aussi l'amour est dans le prout. Merci d'avoir suivi cet apéro. Pour me retrouver sur scène, toutes les infos sont dans ma bio, au grand point virgule à Paris ou près de chez vous, dans toute la France. Je vous embrasse.